très sympathique de calibre 18, l'étoile qui opposera l'équipe scolaire numéro 3 en blanc à l'équipe scolaire numéro 4 en bleu. Sans plus tarder, voici maintenant les alignements du côté de l'équipe scolaire numéro 3 de l'école Grande-Rénie High School, le numéro 1, Daniel Seignoc. Du collège Mont-Saint-Anne, le numéro 31, Guillaume Turcot. De l'école secondaire du TLL, le numéro 3, Jeremy Strickland. Du collège de Charlemagne, le numéro 4, Zach Grolo. Du collège de Rocher, le numéro 5, Victor Souillet. Du collège de Charlemagne, le numéro 6, Zachary Baumauer. De l'école secondaire de l'Odyssée, le numéro 7, Antoine Pillon. De l'école secondaire 4 Jeunesse, le numéro 8, Yossan Perrault. De la polyvalente Marcel Landry, le numéro 9, Anthony Vézina. De l'école secondaire de l'Auto, le numéro 10, Jacob Delavance. De l'école secondaire Massé-Ferre-Vanier, le numéro 11, Félix Bourri. De l'équipe Loyola High School, le numéro 12, Olivier Chan. Du collège Saint-Sacrement, le numéro 13, Mathieu Colita. Du collège Saint-Anne, le numéro 14, Louis-Charles Cunningham. De l'école secondaire Massé-Vanier, numéro 15, Jérémy Doré. De la polyvalente ancienne Norette, le numéro 16, Nicolas Jean. De l'école secondaire Chandler, le numéro 17, Andrew Legault. De l'école Selwyn High School, le numéro 18, Anthony Dimopoulos. Du collège Charlemagne, le numéro 19, Henri Willett. De l'école John Rennie High School, le numéro 20, Mason Walker. Et maintenant, de l'équipe scolaire numéro 4, en bleu, le pavillon Wilfred Dufour, le numéro 1, Dylan Trottier. Du séminaire Saint-François, le numéro 31, Jérémy Gingras. Du collège Claretin, le numéro 3, Gabriel Morin-Hébert. De l'école secondaire 4 Jeunesse, le numéro 4, William Legault. De la polyvalente Marcel Landry, le numéro 5, Gabriel Roussel. De l'école secondaire Cardinal Roy, le numéro 6, William Bérubé. De l'école secondaire L'Odyssée, le numéro 7, Matisse Côté. De la polyvalente ancienne Lorette, le numéro 8, Cédric Hébert. De l'héritage de Pioneer High School, le numéro 9, Ryan Slomway. Du collège Beauvais, le numéro 10, Vincent Lalonde. Du séminaire Saint-Joseph, le numéro 11, Simon Poitras. De l'école Jésus-Marie, le numéro 12, Alexis Ha. De la préparante ancienne Lorette, le numéro 13, Jérémy Bébeau.
du collège Saint-Anne-Luc, numéro 14, Benjamin Chapdelaine. De l'école Massé-Vanier, le numéro 15, Liam Couture. Du collège Jean de Brébeuf, le numéro 16, Tristan Gravenor. De l'école secondaire Paul Hubert, le numéro 17, Tristan Fournier. Du séminaire Saint-François, le numéro 18, Antoine Guénette. De l'Académie Sainte-Thérèse, le numéro 19, Thomas Labelle. Et de l'école secondaire de la Mortac, le numéro 20, Sébastien Simard. Merci. Bon match, mesdames, messieurs. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, et bienvenue en direct du complexe Deux Glaces Onco de Lévis. Pour le match des étoiles 2022 du RSEQ. Mon nom est Guillaume Dardière, je serai à la description de ce match pour les équipes scolaires M18, équipe étoile numéro 3 contre équipe étoile numéro 4 pour cette rencontre. L'équipe numéro 3 sera dans le maillot blanc. On vient d'assister à la présentation des joueurs et l'équipe étoile numéro 4 sera dans le maillot bleu. On a assisté un peu plus tôt aujourd'hui au match entre l'équipe numéro 1 et l'équipe numéro 2. Et les quatre équipes, devrais-je dire, seront aussi à l'action demain. Ouais. Exactement, pour affronter les autres matchs d'étoiles. Alors, on va essayer d'aller dans un instant. On semble avoir un problème pour le tableau indicateur. Et voilà, ça y est, on a le 20 minutes de satisfaire pour cette première période. Et voilà, c'est parti. Bon match à tous et à toutes. Alors que dès la mise en jeu, on s'en va en territoire de l'équipe bleue, de l'équipe numéro 4. Les Blancs se portent en attaque déjà, un tir, on voulait faire dévier dans le filet et c'est un défenseur qui a presque dévié dans son propre filet. Le numéro 11, Simon Poitras, en voulant arrêter cette rondelle, l'a presque fait dévier contre son gardien. Oui, donc au match qu'on vient de voir, là, justement, contre Collégial Division 1, contre Universitaire Division 2, on peut les nommer par leur nom. Là, il faut les nommer par les numéros d'équipe en ce moment. Là. Exactement. Quatre équipes sont invitées au match des étoiles du RSEQ en Division M18. Donc, quatre clubs ont été formés avec les différents joueurs des différentes écoles secondaires ou collèges. Donc, c'est les moins de 18 ans. Alors, voyons voir comment on va s'en sortir. Si on se fie à la rencontre de ce matin, on a eu un match, un pointage pas nécessairement très élevé, mais au niveau des buts, on travaille beaucoup sur le contrôle devant le filet et les déviations, surtout. Donc, voyons voir si c'est le même style de jeu qu'on va voir en ce moment. Donc, on a un accrochage en territoire défensif chez les Blancs. Un tir de la ligne bleue, le retour est donné. Et pas commode, mais on réussit à saisir pour le gardien Jérémy Gingras du séminaire Saint-François. Un premier test pour ce dernier. Un bon tir de Yossan Perrault. Donc, il y avait peu d'espace. Il dégaine assez rapidement. Là. En fond de territoire, on essaie de remettre devant le filet. Numéro 14 pour les Blancs. Cunningham avec la rondelle. On se voit la rondelle lui être soutirée. Et l'équipe numéro 4, les Bleus, vont saisir et tenter de quitter leur territoire. Défensive chez les Blancs. On regarde pour la rondelle, la passe en direction de Cunningham. Ce dernier garde la rondelle, lobe le disque en fond de territoire. Contact entre deux joueurs. La rondelle glisse presque jusqu'à la ligne bleue, mais l'attaque est toujours en vie pour l'équipe numéro 3. Interceptée, une passe
ici. Contre-attaque menée par Roussel. Roussel reçoit une passe par la suite. Remet à son coéquipier. Tente de tirer du revers. On cafouille avec la rondelle. L'attaque toujours en vie. On arrête un premier dégagement à la ligne bleue. On tente de renvoyer la rondelle près du filet. Avec la bataille sur la séquence, on n'y arrive pas. Contre-attaque avec peut-être une échappée vers le filet. Le revers, le tir. Le gardien fait l'arrêt. Le retour est donné à sa droite. Mais personne ne peut saisir. Ouais, toute une passe là, servie par Mathieu Kaliza. Donc on retourne en défensive pour les Bleus, pour l'équipe numéro 4. Et chez les moins de 18 ans. Et on se cherche en ce moment. On en parlait un peu, c'est un peu le principe de Mal des Étoiles. Donc, on va y revenir alors qu'on a un bon tir de poignet, le retour qui est donné. Et immédiatement, on donne un coup de bâton sur la rondelle. Gingras devait se débarrasser de la rondelle parce qu'il y avait deux maillots blancs qui fonçaient vers lui. On tente de dégager du revers par la visée, mais ça s'en va directement chez les spectateurs. Ce que je voulais dire, Richard, c'est que justement, c'est un peu l'habitude lors de match des étoiles. C'est beaucoup de joueurs avec un bon talent, mais pas seulement des coéquipiers ou des styles de jeu qu'on est habitué d'exister. Et donc, c'est peu de temps pour les apprendre et les mettre en œuvre. Exact. Et donc, ajoutons quand même un brin de nervosité pour certains joueurs donc qui, eux, aspirent à se faire remarquer par des équipes collégiales, eux qui sont déjà dans un parcours scolaire. Bon, mentionnons, les équipes collégiales Division 1 sont tous là. Donc, avec des kiosques qui étaient à l'entrée aujourd'hui. Donc, j'en ai croisé quelques-uns. On nommera pas de nom par impartialité, mais disons qu'il y en avait, il y avait quelques-uns qui étaient en mode séduction. Des très grands kiosques avec panoplie de chandails dépliants représentant collégiaux. Bien, c'est vraiment un week-end de festivité aussi. Tout le monde est heureux de se revoir dans un cadre non compétitif, si on peut dire ça ici. Alors que la rondelle est en territoire des Bleus en ce moment, on tente de sortir de la zone, mais bonne pression exercée par l'équipe numéro 3 au maillot blanc en défensive. Strickland passe en direction du numéro 12, Olivier Chan. Être repris défensivement par les Bleus. Fournier avec la rondelle. Passe par la bande. Regarde pour sonner au filet. Un tir à la glace. Ça passe à la droite du gardien. Ça rate la cible. On empêche le premier dégagement à la ligne bleue. C'est Perrault cette fois-ci qui renvoie en fond de territoire par la suite. Alors qu'on tente un tir en hauteur. Un bon tir du poignet. C'était hors cible. Mais néanmoins, ça a fait lever les yeux de quelques joueurs pour trouver cette rondelle. Exact. Et bonne protection de rondelle d'Émile Fournier. Donc, un joueur avec quand même un bon gabarit. Et donc, montrer aussi belles habiletés au niveau de coordination. Alors que longue passe tentée, c'était vers le numéro 4. L'équipe scolaire numéro 3, Zach Grolo, mais la passe est un peu trop loin pour lui. Ce sera dégagement refusé. Ouais, donc soulignons qu'au niveau, bon, tantôt le match qu'on avait au niveau collégial et universitaire, on joue avec le dégagement hybride, alors qu'au niveau juvénile, aussitôt qu'il y a un dégagement refusé, on siffle et on recommence. Exactement. Notez que dans le cadre aussi, autre différence, on permet le changement aussi. Ouais. Lors du dégagement refusé pour les deux équipes au besoin. Là, ici, contact. Là, on a bousculé un joueur au maillot bleu, c'est le numéro 14 là, qui est tombé à la renverse, Benjamin Chapdelaine. Sans dire que c'était une mise en échec, c'était une très bonne bousculade. Alors qu'on a un tir vers le gardien arrêté en défensive. Dégagement en territoire de l'équipe des Blancs. C'est 6-1 les tirs en faveur des Blancs. Ce que date, qui contrôle le momentum de la rencontre. Alors qu'on veut faire dévier devant le filet, on fonçait bien tenté. C'était en direction de Jérémy Doré. C'est bien. Le
ça, il a le tir, le but. Ouais, toute une exécution, là. C'est Nicolas Jean qui s'est retrouvé avec la rondelle. S'est retrouvé seul dans l'enclave et n'a pas hésité à tirer sans hésiter. Comme tu mentionnais, donc début de match, là, vraiment l'avantage là, de l'équipe des Blancs là, avec un septième tir contre un seul. Ils vont inscrire un premier filet. On va avoir confirmation du but dans un instant. Alors que les Blancs reprennent le disque, envoient le tout en fond de territoire des Bleus, l'équipe numéro 4. Le premier but de l'équipe du canal numéro 3. A été compté par le numéro 16, Nicolas Jean. Donc un autre dégagement refusé. On est un petit peu désorganisé. Bon, oui, on mentionnait le match des étoiles. Il n'y a pas nécessairement eu d'entraînement commun collectif. Là, donc on y va un petit peu selon nos connaissances, mais il n'y a pas nécessairement de système d'instaurer là, dans ces équipes-là. Là. Non, exactement. On y va au mieux que de connaissances sur les entrées de zone, sorties de zone et essayer de mettre le plus de pression possible en territoire adverse. Donc, défenseur Jérémy Strickland, qui est un habile patineur, là, donc des feintes là, justement avec les changements de direction au niveau du patin, donc de belles habiletés de ce côté. Alors qu'on dégage en fond de territoire chez les Blancs, les Bleus avec la rondelle dans le coin de la patinoire, on bouscule. Alexis tape, on remet à la ligne bleue, on tente une passe par la suite, tape, renvoie en fond de territoire vers Legault. Legault se fait bousculer, tape, renvoie à la ligne bleue. On garde le disque, un tir du poignet, arrêt du gardien. Et ce sera un deuxième tir seulement pour l'équipe des Bleus dans la rencontre. Dans le coin de la surface de jeu, on regarde pour le contrôle de la rondelle, on cherche les options. Plusieurs joueurs s'en vont de ce côté. Et on réussit à jongler avec le disque et renvoyer le tout à la ligne bleue. L'attaque est toujours en vie pour les Bleus. On remet au point d'appui, on s'avance, passe vers la droite, le tir et le but! Dans la partie supérieure, on a trouvé une petite ouverture par-dessus l'épaule du gardien et l'égalité est faite, c'est 1 à 1. Oui, donc tout un tir là, c'est Alexis Tapp. Ce dernier est gaucher, se retrouvait du côté droit. Donc sans même regarder la vision était plutôt pour... semblait feinter une passe, mais son idée était faite avec le genre de tir qu'il a eu. Donc, son idée était faite de tirer au filet. Il y a assurément un marqueur pour frapper le filet avec autant de vélocité et sans même regarder. Bon, confirmation du filet dans un instant, mais l'égalité est provoquée dans ce match. Alors que les Blancs s'amènent en attaque, on doit forcer la sortie de Gingras. Avec la lettre du numéro 4, William Legault. Et du numéro 8, Cédric Hébert. Puis inscrit à 7 minutes 48. Alors, but confirmé pour l'équipe scolaire 4 pour les Bleus. But marqué par Alexis Tapp de l'école Jésus-Marie avec l'aide de William Legault et Cédric Hébert. Alors que... on cherchait la rondelle et finalement, on va avoir un arrêt de jeu sur la séquence à 11 minutes 22 en première période. 1 à 1 la marque, 7 tirs par l'équipe des Blancs, l'équipe scolaire 3, contre 3 tirs seulement pour les Bleus, l'équipe numéro 4. Donc, un début de première période en faveur des maillots blancs jusqu'à présent au niveau des statistiques. Mais c'est quand même l'issue de l'encontre. Et là, un tir, belle passe dans l'enclave et on a dû jouer avec un disque sautillant, ce qui fait que la rondelle est passée par-dessus le filet. Oui, alors qu'on avait pratiquement battu le gardien. Là, on avait une belle ouverture, ouais. Effectivement. On avait oublié ce joueur tout près du demi-cercle du gardien.
en défensive. L'équipe numéro 3, les Blancs. Avec la rondelle, passe qui manque de précision, c'est repris par Gravenor. Gravenor, longue passe en direction du numéro 5, Gabriel Roussel. Ce dernier n'arrive pas à saisir et on doit concéder le disque. Les Blancs avec la rondelle. Alors qu'un tir va toucher le filet protecteur. Et on va reprendre en territoire des Bleus en milieu de première période. On a eu une bonne relance et donc c'est Cunningham qui lui entrait avec une bonne vitesse. Feinté passe à son coéquipier. Tenter de feinter justement et surprendre le gardien avec un bon tir, mais qui a été dévié dans le filet protecteur. Alors dès la mise en jeu, un tir peu commode à la hauteur de l'épaule, la clavicule presque, en fait. Mais on avait la vue sur le tir, donc arrêt du gardien Gingras. Suite à la mise en jeu, cette fois-ci, c'est remporté par les Bleus. Alors qu'on tente un premier dégagement, on fait en l'air. Ça va s'en aller en zone neutre finalement. Bataille pour le contrôle de la rondelle. C'est repris défensivement. Strickland passe à sa gauche. Par la suite, le retour en direction de Colisa. Colisa avec la rondelle se fait bousculer. Tente de garder la rondelle. Il veut foncer vers le filet. Finalement, c'est un troisième joueur qui va s'amener vers le filet. Ça va être une mise en jeu en territoire des Bleus. Alors qu'on a franchi le milieu de parcours dans cette première période, toujours 1 à 1 la marque. La rondelle en hauteur, on cherchait à saisir le tout pour les Bleus. Dégagement à l'autre bout de la surface de jeu. Bataille pour le contrôle de cette rondelle. Les Bleus vont le faire, on veut remettre devant le filet. Là, on était bien surveillé du côté de Liam Coutu, lui qui se faufilait entre deux défenseurs. Il n'a jamais pu contrôler cette rondelle qui lui était destinée. Oui, c'est Tap qui a une bonne passe dans l'enclave. Lui qui était le marqueur du premier but. Repli défensif pour les Bleus. Passe vers le numéro 14, Benjamin Chapdelaine, mais la passe était trop vive. Et on doit se retourner en défensive. Passe par la baie vitrée jusqu'en zone centrale. De créer un peu d'espace. Et on dégage finalement en territoire des Blancs. Donc, du jeu un peu décousu, on le sait, M18, un niveau peut-être. Donc, on va remettre devant le filet, j'allais dire, un brin moins rapide et précis qu'au niveau collégial universitaire. Et là, on le voit avec des passes et un peu moins de rapidité, mais néanmoins. Ouais, mais on peu d'erreurs ouais. Là, de part et d'autre. Et lorsque c'est temps d'aller en échapper ou d'exploser, les joueurs ont tout autant d'énergie. Dans le coin de la patinoire, Simon Poitras, avec la rondelle, laisse en direction de Mathis Côté. La longue passe en zone centrale s'est repris par l'équipe scolaire numéro 3. Walker avec la rondelle, tente un tir, bon tir du poignet. Ici, il servait du défenseur pour voiler la vue. Ici, peut-être du tir et ne pas donner ses attentions, mais l'arrêt de la mitaine est fait. Oui, donc, comme tu mentionnais, des joueurs plus jeunes aussi. Oui. Mais on voit clairement qu'il y a des joueurs de ce match des étoiles qui vont se retrouver au niveau collégial l'an prochain. Sans aucun doute. Oui. Un tir suite à la mise au jeu, bien fait de la part de Cunningham. Mais de nouveau, l'arrêt du gardien. C'était un dixième tir pour les Blancs, pour l'équipe numéro 3. Un onzième, dis-je bien, pardon, le tableau vient de se mettre à jour. Quand on parle de temps de possession et de domination, bien clairement, le rythme pour l'instant est imposé par les Blancs. Repli défensif de la part de Strickland pour aller chercher la rondelle dans son territoire. Nouveau lot, passe à sa droite. C'est en direction de Cunningham.
C'est envoyé en fond de zone, le disque dévie sur les patins. En défensive pour les Bleus, la contre-attaque s'amène. Gravenor avec la rondelle, là, vous laissez au filet entre trois joueurs adverses. Clairement, il a vu plus gros qu'il pouvait en prendre sur l'échappée. Alors, on remet devant le filet, et là, le disque avec une déviation, ça aurait pu être dangereux. Mais Gravenor n'a pas vu la rondelle s'amener vers lui. Ça l'avait dévié sur deux bâtons, je crois. Là, un premier tir s'est arrêté en défensive par les Blancs. Ça va être envoyé en zone neutre. Et là, hors-jeu sur l'entrée de zone, clairement, mauvaise communication entre Chapdelaine et... Cunningham et Ouellet. Ça provoque le hors-jeu. Oui, donc, on se mentionnait mauvaise communication, une hésitation avant de faire la passe et tout juste d'avancer son coéquipier. En territoire des Bleus à la ligne bleue. On tente un tir. On voulait faire dévier devant le filet. Bien tenté. Un bon tir de la part d'Antoine Filion. On intercepte la rondelle en hauteur. On tente de relancer l'attaque. Et là, en voulant dégager en territoire adverse, on envoie la rondelle au banc des siens par accident. Je crois que c'était Lalonde. En voulant relancer l'attaque et dégager par la bande. Oui, c'est quand même le bon choix parce qu'il y avait quand même une pression offensive. Et la rondelle, juste un petit peu trop haut, là, mais l'option par la bande était un bon choix de jeu, juste au niveau de l'exécution. Là, qui est... Donc, ça aurait pris une baie vitrée devant le banc des joueurs. Là. Exactement. Passe réussie. En zone centrale, l'entrée de zone est acceptée par le juge de ligne. Le disque va vers l'enclave, mais on n'arrive pas à tirer. On dégage cependant en fond de territoire. Repris en défensive par les Blancs. La passe en zone centrale. Ça va être repris par Mathis Côté. Passe en direction de Coutu. Il voulait rejoindre Legault par la suite. Mais ce dernier était bien couvert. Là, on profite d'un cafouillard défensif. La passe lobée, c'était en direction de Coutu. Mais ce dernier... Manquait de jus pour aller chercher cette rondelle, si vous me permettez l'expression. Avec la rondelle qui était juste au bout de son bâton, collision entre deux joueurs. Finalité à retardement ici, contre les Bleus. Avec l'entrée de zone qui est réussie, on s'amène vers le filet, on tire, arrêt du gardien. Et en touchant la rondelle par la suite, nous aurons droit à un premier jeu de puissance dans la rencontre. Ça sera en faveur de l'équipe 3 oui. Des Blancs. Ça sera Liam Coutu qui est chassé pour avoir donné de la bande. Donc on a vu le joueur qui était dos au jeu. On ne parle pas de mise en échec par derrière, mais quand même un geste puni là, pour avoir donné de la bande et un premier avantage numérique pour l'équipe des Blancs. Exactement. Peut-être l'occasion de ces derniers de revenir dans la rencontre et prendre les devants pour une première fois. Alors qu'on s'échange bien la rondelle en fond de territoire. Belle avance avec une passe par la suite du côté droit. C'est en direction de Chan. Le tir sur réception et l'arrêt du gardien. Un premier dégagement va s'en suivre. Moins de 5 minutes à faire à la première période. Et les premières 30 secondes du jeu de puissance des Blancs vient de s'écouler. On laisse derrière à la ligne. On voulait faire dévier, bien tenté en direction de Chan qui fonçait au filet. Mais il n'a pas pu toucher à la rondelle. Et on dégage de nouveau pour l'équipe numéro 4 à l'autre bout de la surface glacée. Donc des changements des deux côtés. Alors qu'on fonce en territoire adverse, Tréclane avec la rondelle. Transporte le 10 de l'autre côté de la ligne bleue, se fait bousculer par la rondelle. Ça s'en va en fond de zone. Cunningham avec la rondelle. Garde le disque à sa ligne bleue. Transporte le tout. Remet au cercle de mise en jeu. Transversal par la suite. Le tir du poignet de retour. Et là, on manque une cage béante ici. On va s'en vouloir. Vézina devant le filet. Le gardien était totalement déjoué. La passe était parfaite. Ouais, toute une exécution là, entre Groslot et Perrault. 30 secondes à l'avantage numérique. À la ligne bleue. On regarde les options. On passe.
à la gauche, la transversale par la suite pour Grolo. Grolo doit se dépêcher de passer la rondelle, mais il ne regarde pas derrière lui en voulant faire la passe et ça devient une rondelle qui s'en va jusqu'en zone centrale. Ça devient perd du pied, là. 7 secondes à l'avantage numérique. C'est ainsi que le jeu de puissance va se terminer. Premier avantage numérique pour les Blancs sera sans succès. Contre-attaque. Alors, content de s'amener au filet. Premier tir. Et on déplace le filet par inadvertance. Le gardien, en voulant couvrir son poteau, pousse sur ce dernier. Oui, c'est Cunningham là, qui est entré quand même avec une bonne vitesse en zone adverse et débordé le défenseur. Il avait peut-être un angle assez restreint là, lorsqu'il a pris son tir. Une belle séquence du côté de Cunningham. Les enjeux remportés par les Blancs, on remet tout de suite à la gauche. Ensuite, on va faire dévier devant le filet. Bon tir de la part du numéro 9, Anthony Vézina. Lui qui aurait pu donner les devants un peu plus tôt avec son équipe qui a raté une cache béante. Là, il avait un bon tir avec une possibilité de déviation. Je crois que c'était Colisa qui était devant le filet sur la séquence pour les Blancs, pour l'équipe numéro 3. Alors qu'on cherche les options, les Bleus tentent de quitter leur territoire. Alors qu'on cherche de tous les moyens à saisir cette rondelle, mais les Blancs sont plus rapides. Encore un tir à bout portant, et là on rate la cible. Ce sera un autre arrêt de jeu avec 14-4 au niveau des tirs au but. Donc ouais. Le gardien Jérémy Gingras qui était passablement sollicité là, jusqu'à présent en première période. Bon, pour avoir été dans ces genres de situations, dans un match comme ça, c'est ce que tu veux, avoir des lancers, avoir de l'action. Donc, fait bien jusqu'à présent. Suite à la mise en jeu, c'est retourné en possession des Bleus qui vont pouvoir quitter enfin leur territoire. Ça sera en défensive. Pour les Blancs, qui contrôlent totalement l'allure de la rencontre. Malgré l'égalité 1-1, le temps de possession en faveur de l'équipe 3, le nombre de tirs et les occasions de marquer leur appartiennent. Il y a un dégagement ici qui va aller jusqu'en territoire défensif de l'équipe numéro 3, l'équipe scolaire 3, des moins de 18 ans. Dégagement par la bande, on s'en va en zone centrale. C'est intercepté rapidement d'un côté comme de l'autre. On s'échange la rondelle. Alors, qu'on s'en va, le gardien est là. Le gardien pensait avoir fait l'arrêt. On a vu la rondelle glisser jusqu'à la ligne des buts derrière lui. Oui, c'est Cédric Hébert, je crois, ouais, qui est venu sauver les meubles derrière le gardien Gingras. Et là, la marque pourrait être facilement de 3-1 pour l'équipe numéro 3, pour l'équipe des Blancs. Deux occasions en or de s'inscrire en cette deuxième moitié de première période. Et ce fut un 15e tir déjà pour les Blancs. Alors, content de se promener avec la rondelle, on cherche les options. Finalement, ça va être un dégagement qui sera refusé contre les Bleus alors qu'il reste moins d'une minute à la première période. Oui, j'ai bien aimé la dernière séquence du joueur Mason Walker, qui est un joueur qui est constamment en mouvement. Donc, une bonne vision aussi. Donc, ça se déplace bien vu un joueur libre en fond de territoire et suite bouger ses pieds, comme on dit, pour se retrouver dans l'enclave. Mise en jeu reportée par le numéro 10, Vincent Lalonde, pour l'équipe des Bleus. Alors qu'on dégage, on tente de dévier devant le filet ici pour tenter de prendre les devants pour une première fois pour les Blancs. Alors qu'on a un tir à bout portant, arrêté en défensive, le retour, arrêt du gardien, ça s'en va à sa droite dans le coin de la patinoire. Là, on va réussir à quitter la zone pour les Bleus. On pousse la rondelle. Mais bon repli défensif de Strickland.
contre, la rondelle est toujours en vie pour l'équipe numéro 4, pour les Bleus, en territoire adverse. 12 secondes à la période. Est-ce qu'elle est capable de faire quoi que ça? Une passe qui est interceptée par les Blancs, alors qu'on se bouscule légèrement. La ligne 2 s'est arrêtée. On tente de tirer, arrêter une première fois en défensive. 2 secondes. Et c'est ainsi que va se terminer la première période de ce match. Donc on le mentionnait, 16-4 là, les tirs en faveur de l'équipe des Blancs. Et deux occasions qui n'ont pas compté pour... Ben oui, un pour un tir au but, mais la rondelle s'est retrouvée derrière le gardien Gingras. Et donc son coéquipier qui est venu sauver les meubles tout juste derrière lui. Et une autre séquence aussi qu'on a vu, un tic-tac-toe là, à trois. Et qui ont manqué une cage complètement ouverte. Donc, comme tu mentionnais, ça aurait pu être 3-1, mais le score au niveau du pointage, on est à 1-1. Des ajustements probablement à avoir lieu là, du côté des Bleus, là, peut-être justement au niveau de la relance de sortir la rondelle peut-être plus rapidement. Aussi, au niveau des attaquants, offrir des options de passe, là. Peut-être un trio qui s'est démarqué un petit peu plus au niveau, je pense entre autres à Fournier et Tap aussi, là, qui ont été des joueurs du côté des Bleus qui ont été menaçants offensivement. Mais en général, c'est vraiment la continuité au niveau des trios là, de l'équipe des Blancs. Là. Comme je mentionnais, Walker qui a eu des bonnes séquences. On a vu aussi au niveau des défenseurs, Perrault et Strickland, qui ont eu des bonnes séquences offensives. Donc, on aurait des ajustements pour pas continuer un match à finir avec 48 tirs et 12 de l'autre côté. Donc, des petits ajustements de ce côté-là. On va voir qu'est-ce que les joueurs vont pouvoir faire pour s'ajuster si la tendance va s'inverser. Néanmoins, c'est 1-1 après 20 minutes de jeu. Pour regarder le week-end des étoiles à RSEQ, présenté par GoPure, en direct du complexe des deux glaces Onco à Lévis. À tout de suite.
Et nous sommes de retour pour la suite du match des étoiles du RSEQ. Pour le match des moins de 18 ans, division M18, entre l'équipe étoile numéro 3 et l'équipe étoile numéro 4. C'est 1-1 la marque après 20 minutes de jeu. En direct du complexe des deux glaces Onco de Lévis. Alors que déjà, on continue le match et en début de deuxième, cette fois-ci, c'est les Bleus qui vont se porter en attaque sur la première séquence, du moins. Donc, on voit une longue passe qui était tentée en direction de Henry Ouellet. Ou Henry Ouellet, je l'ai anglicisé un peu. Et là, il tire le but! Eh bien, peu importe, il aura fait un bel effort devant le filet. Ouais, et il va porter la marque à 2-1. Oui, exact. C'est Jacob Bellavance qui a clairement vu là, qu'il y avait beaucoup de circulation devant la cage de Jérémy Gingras. Il a pris un bon tir du poignet. Donc, son but n'était pas nécessairement de battre avec la force, mais tout simplement de trouver... que la rondelle puisse se frayer un chemin jusqu'à la cage. Et ce sera un but important pour leur donner le devant. C'est un 17e tir, alors qu'on s'amène déjà au filet. Un premier tir par la suite, le retour est donné. Et ça passe à la gauche du gardien. Oui, c'est Jérémy Doré qui est arrivé... avec une bonne vitesse en entrée de zone. Il y a eu une bonne occasion de marquer sur cette séquence. Mise en jeu à la gauche du gardien Gingras. Ses coéquipiers vont remporter la mise en jeu alors qu'on se fait bousculer près d'avant. Confirmation du filet. Donc on a une belle exécution là, sur la sortie de zone, la passe tout juste imprécise, mais quand même la décision, une bonne décision quand même dans la séquence. Encore là, au niveau de l'exécution, peut-être on a raté quelque peu la cible. Mais en jeu remporté par les Blancs sur la séquence dans leur territoire. Donc, on tente une passe à la ligne bleue. La sortie de zone va être réussie. Disque transporté par Baudry. Baudry regarde des options le long de la bande avec ses options. Attend une passe. Finalement, ses coéquipiers veulent remettre à la ligne bleue, mais hors jeu à retardement. On a quitté la zone. On doit se replier. À la ligne bleue, longue passe tentée d'une ligne bleue à l'autre. En direction de Legault, en fond de territoire, chez les Bleus. Legault va récupérer la rondelle. Regarde les options, vous le remettre au niveau de l'enclave. Un tir de la ligne bleue qui va venir, un bon tir. Le gardien avait la vue voilée, le tir était cependant hors cible. Alors qu'on retourne en territoire des Bleus. Défensivement, la berge va récupérer, remet à sa gauche. Passe lobé, c'est intercepté une première fois. Et on va avoir arrêt de jeu sur la séquence. Oui, on a eu une passe avec la main, là, donc c'est Perrault qui a tenté de couper la passe. Il a tout juste effleuré et la rondelle a été récupérée par son coéquipier, donc provoqué un Perrault qui a un bon tir. On l'a mentionné tantôt, donc n'a pas besoin de beaucoup d'espace là, pour placer la rondelle au filet. On l'a vu encore sur la dernière séquence tantôt. En zone neutre, alors qu'on s'échange la rondelle. On se fait bousculer pour aller chercher le disque en fond de territoire de l'équipe numéro 4, de l'équipe des Bleus. On arrête un premier dégagement à la ligne bleue. C'est repris par le numéro 20 qui s'amène un tir du poignet. Le gardien fait dévier. Et ouais, c'était pas commode là, d'aller faire cet arrêt. Effectivement, donc la rondelle qui a frappé le bâton, le haut du le manche là, du bâton du gardien. Belle incursion, donc c'est Walker, là, lui qui est droitier, a tenté un tir dans la partie rapprochée, partie supérieure.
Alors qu'on cherche la rondelle suite à la mise en jeu, on a retenu le bâton de longues secondes du joueur de centre, Émile Fournier. Les derniers vont pouvoir peut-être s'installer en attaque une première fois. Fournier va récupérer la rondelle, tente un premier tir, fend l'air. Là, ça fait bousculer, on se faufile la clon là, on veut remettre devant le filet. Hey, devine le but! Pas la plus belle des déviations, pas la plus grande des déviations, mais tout juste assez pour déranger le gardien et faufiler cette rondelle tout lentement derrière ce dernier. Et on va trouver un but important, c'est l'égalité 2 à 2. Donc, c'est... on a eu une séquence, une entrée de zone là, de... C'est Fournier. Ensuite, on a placé la rondelle au filet. On a eu une déviation tout juste devant le gardien qui vient d'accorder un deuxième but. Donc, le deuxième but de l'équipe des Bleus a été compté par le numéro 14, Benjamin Chapdelaine. Benjamin Chapdelaine qui est marqué. Avec le numéro 20, Sébastien Simard. Exactement. Alors, on voit une contre-attaque ici suite à l'annonce du filet. La passe qui manquait de précision et de vélocité. Peut-être une échappée. Alors, on va qu'on s'amener au filet. Un tir du poignet qui était tenté. Et On a lancé de punition. Ouais. On a vraiment dérangé le joueur ici. Donc, on a jugé là, que l'attaquant tape là, et, n'a pas pu. Prendre son tir, on a bloqué là, au niveau des mains. Là. Oui, on l'a vu, on l'a vu faire son geste, mais j'ai pas vu la rondelle partir. Non, exact. Donc elle a été, on l'a empêché là, de. Il y a une occasion en or ici. Oui, Tap qui est quand même lui qui a marqué le premier but. Oui. Donc pour donner rajouter. L'avance au sien. Ouais. Hein. Il s'amène. Regarde les options. Regarde la rondelle feinte. Et le gardien ne mord pas à l'hameçon. Il suit très bien la rondelle et bloque totalement l'ouverture. Oui, donc le gardien Séméniac, qui était patient là, sur la dernière séquence, semblait facile, mais donnons-lui le crédit. Là, c'était quand même une bonne feinte là, du côté de Tap. Mais comme tu mentionnais, il n'a pas mordu. Suite à la mise en jeu directement, un tir vers le gardien. Ça passe vers sa droite, ratant la cible. Alors qu'on cherche le disque de part et d'autre, les Blancs vont se porter en attaque. C'est le numéro 16, Nicolas Jean avec la rondelle en fond de territoire adverse. Regarde les différentes options. Contre-attaque des Bleus. Avec une passe tentée. On veut tirer du revers, bien tenté. Mais ça rate la cible. Tout juste à la droite du filet, un tir sur le gardien. Le retour est disponible. On n'arrive pas à saisir pour l'équipe numéro 4, les Bleus. Alors qu'on a un dégagement jusqu'en fond de territoire des Blancs. Les Bleus reprennent dans leur territoire. 15 minutes à faire en deuxième période. 2 à 2 la marque. Alors qu'on tente de dégager, on soulève le bâton. Joueur en défensive des Blancs. Et c'est repris par Sébastien Simard, la rondelle. Et là, on va avoir un arrêt de jeu. Pénalité à retardement. Oui, c'est Sébastien Simard qui s'est chassé là, pour avoir fait trébucher. Lui qui a dû plonger pour... récupérer la rondelle et faire sauter les patins. Donc, un deuxième avantage numérique là, dans ce match pour les Blancs. Hugues. Ce sera un deuxième jeu de puissance pour les Blancs, comme disait Richard. Voyons voir s'ils pourront en profiter cette fois-ci pour marquer. Alors qu'on a un premier dégagement complété pour les Bleus. On reprend. Pizina
passe à sa droite vers Chan. Chan revient sur ses pas en direction de Walker. Walker traverse la ligne bleue, cherche les options, laisse derrière à Vezina. Vezina envoie en fond de territoire. Chan avec la rondelle laisse à son coéquipier par la suite Dimopoulos. Bataille pour la rondelle en fond de territoire. Finalement, c'est une passe le long de la bande à Vezina. Vezina laisse à son coéquipier. On veut remettre au centre de la surface de jeu, mais c'est directement sur le bâton d'un des joueurs en bleu. Et ce sera un dégagement réussi. On tente un dégagement. C'est allé. J'ai entendu le toc derrière la tête d'un joueur. La rondelle. Directement près du casque qui a été arrêté momentanément. 40 secondes à l'avantage numérique pour les Blancs. Il passe en direction de Grolo. Grolo avec la rondelle traverse la ligne bleue, laisse ici et ce sera un hors-jeu. Alors qu'on a voulu harponner la rondelle pour les Bleus, on a réussi à repousser juste le 10 de l'autre côté. Une bonne couverture là, des Bleus. Peut-être du côté des Blancs, on a été un peu moins patients là, sur les. La relance, donc on a tenté des longues passes, des longs jeux, alors qu'on aurait intérêt à se regrouper. Mais quand même, donnons le crédit à la défensive des Bleus qui manœuvre bien en désavantage numérique. 18 secondes au jeu de puissance de l'équipe numéro 3, les Blancs. L'entrée de zone est réussie par Grolo. Grolo laisse à la ligne bleue. Pour le numéro 10, passe à sa droite. Par la suite, on s'avance. On veut faire dévier devant le filet. Ça le dévie une première fois, mais c'est arrêté par la suite en défensive. C'est ainsi que l'avantage numérique va se terminer. Bon travail de l'unité défensive là, des Bleus. En zone centrale, on s'échange la rondelle. Belle avance interceptée par la suite. Le tir du poignet, le retour qui est donné. On garde la rondelle, tenter de surprendre, mais le plongeon de Semenyuk va empêcher le retour d'être efficace, même si on l'a tenté. Mais cafouillage en défensive. Oui, belle avance. Lui qui a marqué le deuxième but, justement, des Blancs. Mais par contre, sur la dernière séquence, là, a tenté une passe on va dire, au travers du joueur. Donc, ce qui a plutôt provoqué une chance de marquer pour les Bleus. Encore un mec dans le coin de la patinoire. Cherche les options. Longue passe à la ligne bleue en direction de Bérubé. Bérubé avec le disque. Transporte la rondelle en fond de territoire. La passe pour son coéquipier, Legault. Legault garde la rondelle, se fait bousculer. Ses coéquipiers viennent en renfort. On sort avec le disque en faveur des Blancs. On intercepte une première fois la rondelle. Chez les Bleus, on garde l'attaque à vie, on veut remettre devant le filet. Il est tenté alors que plusieurs bâtons s'entrechoquaient et donnaient des coups pour aller chercher ce disque. Les Bleus toujours avec la rondelle en attaque. Un premier tir, la rondelle roulait sur le côté, donc un tir qui fend l'air. Par la suite, on veut remettre devant le filet, bien tenté, mais la défensive des Blancs est quand même bien positionnée, très heureux de faire circuler cette rondelle devant le gardien. L'entrée de zone est réussie par les Bleus. Un tir. Arrêt du gardien numéro 1, Semenyuk. Oui, ce dernier, donc, avait les Bleus avaient deux attaquants qui se dirigeaient vers le filet. Donc, le plus gros défi était de conserver le retour dans ce cas-ci. Et, donc, ce que Semenyuk a réussi à faire. On transporte la rondelle, on tente un tir de la ligne bleue par le gardien, mais les Blancs vont récupérer la longue passe tentée, harponnée la rondelle par Poitras et va envoyer le disque de l'autre côté. Eh bien, si on avait une première période dominée par l'équipe des Blancs, par l'équipe numéro 3, bien, le club numéro 4 du M18 s'en sort plutôt bien en deuxième période. Oui, effectivement, on m'a mentionné des ajustements apportés et donc on s'est ajusté de façon admirable pour l'équipe des Bleus. Alors qu'on est en territoire des Bleus, justement, on voulait en mettre de la pression sur le porteur du 10, batteur dans le coin de la patinoire. Un tir par la suite, arrêt du gardien de l'équipe bleue. C'est Gingras, oui, devant le filet.
Ouais, on aura justement là, 10 minutes 20. On est au milieu du match. Là, on fera des changements de gardien de chaque côté. Donc, ce serait Dylan Trottier pour l'équipe des Bleus qui viendrait prendre la relève de Jérémy Gingras. Et du côté des Blancs, ce serait Guillaume Turcot qui vient remplacer Daniel Semenya. Alors qu'on cherche les options en territoire adverse pour les Blancs, essayer de marquer, on circulait la rondelle et se positionnait. Bien, bonne couverture défensive par l'équipe numéro 4, l'équipe des Bleus. Alors qu'on pousse le disque, on va chercher le tout à la ligne bleue. Dans la possession de Sloan White. Sloan White envoie en fond de territoire, passe vers Guenette. Mais ce dernier n'est pas assez rapide. Et ça va être replié en zone centrale. Alors qu'on tente de s'échapper pour les Blancs avec une option, le revers sur le gardien. Ce dernier fait l'arrêt. Peu commode, là, la rondelle a été prise entre ses jambières, mais il avait les jambes une en avant de l'autre, ouais, en fait, devrait dire. Donc elle aurait pu se faufiler jusqu'au filet, mais on réussit à arrêter le tout. Exact. Donc, d'entrée de jeu, là, Turcot, à son premier lancer, reçoit un échappé là, suite à un revirement là, en zone centrale. 9 minutes 35 à faire en deuxième période. 19 les tirs en faveur des Blancs contre 10 en faveur des Bleus. Entrée de zone, on se fait plaquer par la suite. Simard s'amène pour mettre de la pression. Un tir sur le gardien. Le retour saisi par sa défensive. On s'installe pour la contre-attaque. Le numéro 8, Perrault, avec la rondelle. Fonce vers le filet. Là, le gardien doit aller faire l'arrêt rapidement sur le retour de ce disque. Oui, donc c'est Perrault, comme on mentionnait tantôt, là, qui a quand même un bon tir. Cette fois-ci, a raté la cible. Donc lui qui s'est retrouvé comme attaquant, même si c'est un défenseur. Là, donc il n'était pas sur son repli et reçu la rondelle en zone adverse. Alors qu'au niveau du disque, petit cafouillage d'un côté comme de l'autre, on s'est changé la rondelle près de la ligne bleue en territoire des Blancs. On réussit à quitter leur zone. On tente un tir, ça dévie sur le bâton du défenseur William Bérubé. On renvoie la disque en zone centrale. Et les Blancs dégagent de nouveau en fond de territoire des Bleus. C'était alors qu'on a un contact près de la bande. L'attaque est lancée par les Blancs. On tente de feinter, garde la rondelle le long de la bande pour Ouellet. Envoyé dans le coin de la patinoire, cherche les options. Cunningham et Ouellet bataille contre deux bleus et on va dégager à l'autre bout. Ce sera un dégagement refusé. Oui, comme tu mentionnais, bon, là, j'ai eu un petit moment d'hésitation, mais... Donc, on peut changer de joueur, là, même sur un dégagement refusé au niveau du M18. La mise en jeu se passe néanmoins en territoire des Bleus. Effectivement, on peut apporter des changements d'effectifs, donc même sur de longues présences. Comme dirait un de mes collègues, quand on est tanné, on est tanné. Hein? Donc, on dégage à l'autre bout, ça suffit, on retourne au banc. Là, on veut remettre devant le filet le jeu ici. Et l'option de passe était intéressante. Oui, le gardien. Oui, Turcot a été patient parce qu'on a le joueur, là, l'attaquant des Blancs qui est allé vers sa gauche et il a mis à contresens, là, passe à son coéquipier et un bon positionnement du gardien Turcot sur cette séquence. Donc, on tente de se démarquer. Longue passe lobée en zone centrale. C'était pour le numéro 14 des Bleus, Benjamin Chapdelaine. Ce dernier n'a pas réussi à saisir. Excusez-moi. Alors qu'on veut remettre devant le filet un premier tir deux fois plutôt qu'une. Et là, la troisième tentative sera terminée avec une mitaine sur le disque. Et une bonne première présence là, pour Dylan Trottier, pardon, qui s'est amené, on l'a dit... En milieu de deuxième période, on va se faire tester par les Blancs qui en sont déjà à 21 tirs dans la rencontre.
Effectivement, j'avais inversé les couleurs tantôt en parlant de des changements de gardien. Hors jeu sur l'entrée de zone, un des rares coups de sifflet par les juges de ligne, outre les dégagements. Avec 7 minutes 19 à faire en deuxième période. 21-11, on parlait des tirs d'un côté, mais quand même, les Bleus ont mieux fait, j'ai envie de dire. La formation numéro 4 des M18 a mieux fait en deuxième période qu'en première. Oui, tout à fait, oui. Et on le voit au tableau indicateur, au niveau du pointage, on réussit à garder le match très serré. On vous rappelle que de notre côté sur la glace Onco, ce sera notre dernier match de diffusion, mais il y aura d'autres matchs à l'affiche ce soir, toujours à Québec. Il y a du hockey féminin, pour ceux que ça intéresse. Alors qu'on a un tir ici, là, on a touché le poteau, je crois. Oui. À la gauche du gardien Trottier. Alors qu'un autre tir arrête la jambière. Et on tente de dégager immédiatement. Alors qu'on arrête le toit à la ligne. Non, ça devient une longue passe, un 2 contre 1 pour les Bleus. Alors qu'on s'amène au filet, on veut passer. Beau jeu défensif de la part de Zachary Baumhauer, pardon. Alors qu'on a un autre tir, le retour par la suite est donné. Et là, si on a dû tester la vigilance du gardien Trottier, bien là, c'est Guillaume Turcot aussi qui vient de se faire tester. Les Blancs en défensive avec le disque. On tente une première passe et arrêté avec la pression exercée par les Bleus. Les Blancs vont pouvoir quitter leur territoire, rentrer en territoire adverse. Legault voulait passer une passe, vers Chan. Oui, sur la dernière séquence, donc les attaquants des Blancs étaient quand même assez éloignés. Donc, peu d'options de passe pour les deux défenseurs. Le beau jeu de Walker qui envoie à Chan. On renvoie à la ligne bleue par la suite. Créer de l'espace. On tente de tirer. On veut faire dévier. Personne n'est dans la trajectoire. Le gardien fait l'arrêt. On remet devant le filet. Mais personne n'est présent. Et les Bleus vont pouvoir quitter leur zone. Moins de 6 minutes à faire à la période. Chan avec le disque. Hors jeu à retardement, ce qui crée beaucoup d'espace pour les Blancs. La passe est réussie à sa droite. On garde le disque. Le numéro 20 garde Frein. Envoie à Chan dans le coin de la patinoire. Chan tente une passe, fend l'air une première fois, se fait bousculer par la suite. Et c'est repris par Coutu. Coutu rejoint son coéquipier, le numéro 18. Guénette, qui voulait s'amener vers le filet, se fait bousculer. Conserve toujours la rondelle. On veut remettre devant le filet. Le tir! Ça rate la cible. Je pense que ça a dévié aussi sur la séquence. Le disque était en l'air devant le gardien. Donc on veut remettre devant le filet. Là, bien fait. Là, c'était une passe vive en direction du numéro 20, Sébastien Simard. Ce dernier fait dévier, mais c'était hors cible. Passe à la ligne bleue. Un tir par la suite. Arrêt de la jambière du gardien. Un Turcot. Après ça, une passe qui manque de précision. Ça va s'en aller à l'autre bout du Colisée. Et ce sera un dégagement refusé. Ouais, on s'est échangé les chances de marquer là, sur la même présence. Là, donc on a vu tantôt là, avec du côté des Blancs, on a eu Walker avec Chan qui ont provoqué certaines choses. Et au retour, c'est l'attaque là, qui est soutenue d'Émile Fournier là, qui a donné une chance de marquer pour les Bleus. Les Bleus récupèrent dans leur zone.
dégage. Et là, on intercepte une rondelle. Une première fois, on tente de s'amener vers le filet. Et on trébuche. Ce sera pénalité contre les Blancs en retardement. Oui, on aura retenu, je crois. On a fait trébucher. Ouais, on appelle trébucher, oui. On a vu la... Les deux auraient pu se faire, ouais, honnêtement. C'est ça. On a vu la main là, étirée de... C'est Antoine Filion là, qui sera chassé. Donc, premier avantage numérique pour les Bleus dans ce match. Je crois que les deux avantages numériques précédents étaient par les Blancs. Oui, exact. Alors, on va chasser Antoine Filion. Deux minutes pour avoir fait trébucher. Les Blancs vont réussir un premier dégagement à l'autre bout de la surface de jeu. 23 tirs contre 15. C'est clairement un match en faveur des Blancs. Statistiquement. Et là, cafouillage sur l'entrée de zone pour les Bleus. Les Blancs vont dégager. Quand même, on peut noter des ajustements. Là, donc, une petite cadence un petit peu différente là, en deuxième période. L'entrée de zone est réussie pour les Bleus. Alors qu'on tente de se faufiler. Mais on est assez hermétique devant le gardien, les défenseurs et les attaquants pour l'équipe numéro 3. Les Blancs n'hésitent pas à se positionner dans la trajectoire vers le gardien. Ce qui, oui, a tendance à couper la vue au gardien pour la porteur de la rondelle, mais ce qui fait que les Bleus ne peuvent pas foncer au filet, donc doivent trouver des options pour tirer. Ou du moins faire bouger la circulation. Et on dégage de nouveau à l'autre bout de la surface de jeu. Oui, belle bataille là, gagnée par les défenseurs Strickland. Alors, content de rentrer en territoire adverse, la feinte tentée par Roussel. On dégage immédiatement et les Blancs vont tenter même de se porter en attaque. Mais on arrête le tout à la ligne bleue. 25 secondes à l'avantage numérique de l'équipe numéro 4 des Bleus. Et moins de 2 minutes à faire à la deuxième. Alors qu'on va remettre devant le filet le premier tir, le retour. Et on va donner la rondelle au gardien qui fait l'arrêt. Ce sera une mise en jeu en territoire des Blancs. Peut-être l'occasion pour l'équipe numéro 4, pour les Bleus, de s'installer efficacement sur le jeu de puissance. Oui, quand même, avec 16 secondes à faire à la pénalité. Donc, une mise en jeu importante là, en zone offensive. Remportée d'ailleurs par les Bleus. Exactement, à la ligne bleue. On regarde les options vers le numéro 8, la passe bien fait vers Hébert. Et Sloan White tentait un tir de la ligne bleue, c'est repris par le 19, un tir du poignet, on voulait faire dévier. Bon tir, c'était hors cible, il fallait faire dévier, on n'a pas réussi. Fin de la pénalité, on joue à 5 contre 5. Et la rondelle s'en va au banc des joueurs par accident. Oui, ça en est fallu de peu. Là. Walker avait senti là, la fin de la pénalité, donc tenter une passe là, par la bande. Et c'est le défenseur Hébert qui a bloqué avec son corps là, la passe de Walker. En défensive, du côté blanc, belle longue passe ici, alors qu'on trébuche malheureusement du côté de Chan. Il veut remettre devant le filet le retour. On avait une cage ouverte. On aurait pu tirer du côté de Dimopoulos, mais la rondelle était tout juste trop loin de lui. Une minute à faire en deuxième période. Alors qu'on s'amène au filet, la feinte de tir. Et on a gardé la rondelle longuement pour Walker. Tenter de redonner les devants à son équipe. Belle tentative par le numéro 20. Un tir de la ligne bleue. Le retour est donné en l'air. On n'arrive pas à saisir. Et finalement, après un petit numéro de jonglerie, ouais, on saisit la rondelle devant soi. Et ce sera l'arrêt du gardien pour l'équipe des Bleus, Dylan Trottier. Oui, le trio, là, Walker, Sean et Dimopoulos ont été... À chaque présence, là, assez menaçant là, depuis le début du match. Et la mise en jeu, on tire, on brasse, on casse le bâton, ouais, malheureusement. Et on va tout de suite se replier avec 30 secondes à faire. Ouais. Finalement, ça va être un arrêt de jeu. Et donc, le défenseur, le Jacob Bellavance, a failli prendre une pénalité parce qu'il avait une moitié de bâton dans les mains. Il l'a conservé quand même un certain temps. Donc... était chanceux de s'en tirer sur la séquence. Là.
avait 30 secondes à faire à la période. Un premier dégagement arrêté. On tire sur le gardien. Le retour est donné. Et on doit faire l'arrêt immédiatement. Oui, donc, comme on mentionnait tantôt, là, encore sur la dernière séquence, aussitôt que les Blancs récupèrent la rondelle, on a trois attaquants qui se dirigent bon, pour la longue passe. Ça peut donner des jeux, quand même, des surnoms, mais on a peu d'options là, dans un espace court là, pour les défenseurs. Le temps de dernière attaque, 12 secondes, alors qu'on a une passe, on va le faire dévier. Là, on tentait le beau jeu sur la séquence, ça aurait pu être bien exécuté. 3 secondes, est-ce qu'on a le temps d'un dernier tir? On tente la passe, on touche à la rondelle. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième période. Oui, donc les tirs, si ma mémoire est bonne, on était à 18-4 en première période et donc 25-18. Donc on a eu un revirement un petit peu de situation là, en deuxième période là, au niveau du nombre de tirs. Et donc encore là, on le mentionnait, pendant toute la journée, on a eu des matchs serrés et c'est ce qu'on continue à voir là, aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on souhaite, dans le fond, dans ce genre d'événement. Et donc, c'est on va dire comme j'ai déjà entendu certains de mes anciens joueurs, c'est le hockey qui gagne. Donc là, on peut même dire que c'est le hockey scolaire qui gagne. Très beau spectacle aujourd'hui. Belle initiative là, du RSEQ et soulignons le travail là, de Philippe Dubois-Chicoine. Aussi les Steve Gosselin, Dominique Ricard, Stéphane Auger, toute l'équipe hockey là, du RSEQ. J'en oublie sûrement, là, mais c'est sûr que j'ai croisé peut-être un peu plus là, au courant de la journée. Très belle initiative et le hockey scolaire se porte bien, mais continue aussi à se développer. C'est une bonne nouvelle pour le hockey au Québec. Oui, exactement. Et on va avoir d'autres matchs, comme je le disais. J'en ai parlé un petit peu pendant la rencontre, mais on a un autre match de hockey qui est diffusé. Vous pouvez avoir les détails sur le site web du RSEQ. Si vous allez dans la section hockey collégial, vous allez avoir une annonce pour le match des étoiles. Il y a le match féminin qui va avoir lieu ce soir à 19h ou 19h30. Je ne m'abuse, du côté du pavillon jeunesse à Québec, de ce côté-là. Salut à mon collègue Éric Gaudreau, qui va être à la description là-bas aussi et qui couvre les matchs du hockey féminin, justement. C'est un petit monde, le monde du hockey et le monde des descripteurs. Oui, exactement. On se connaît un petit peu via différents événements de sport électronique et de NHL. Et on a travaillé ensemble chez RDS par le passé, mais il travaille justement avec Limoilou, justement, pour le hockey féminin. Donc, il va être présent là-bas. Donc, allez voir ça sur le site de RSEQ. Il y a encore du match collégial féminin de haut niveau qui va être disputé ce soir. Mais de l'autre côté, on va prendre une courte pause. On vous revient avec la suite de ce match des moins de 18 ans. C'est 2-2 après 40 minutes de jeu. Vous regardez le match des étoiles du RSEQ en direct du complexe Deux Glaces Onco à Lévis. À tout de suite.
On est de retour pour la suite de ce match de division M18. Donc, les moins de 18 ans pour le match des étoiles du RSEQ en direct du complexe Deux-Glaces-Onco de Lévis. Et après 40 minutes de jeu, c'est l'impasse 2-2 entre les deux équipes. Donc, on s'attendait à un match serré. Si on oublie au niveau du temps de possession et des nombres de tirs au but, le chiffre le plus important au tableau indicateur, c'est celui du pointage. Et c'est l'impasse jusqu'à présent, égalité de part et d'autre. Voilà, suite à la mise en jeu, on se dirige dans le territoire des Blancs. Les Bleus reprennent la rondelle alors qu'on veut s'amener devant le filet. On trébuche deux fois plutôt qu'une. La surface est fraîchement refaite. Et on s'échange les bâtons. Là. On se demande si les deux joueurs qui ont perdu leur bâton en même temps. Dans le territoire des Blancs, c'est repris par Jean. Jean laisse derrière lui. Finalement, va reprendre. Le premier dégagement s'est arrêté à la ligne bleue première fois, mais c'est repris néanmoins par Doré. Doré, avec une première feinte, s'amène dans le territoire adverse, tente un tir. Un tir quand même puissant, mais qui rate la cible. Un bon tir du poignet, cependant, de la ligne bleue. Tir sur le gardien de loin de la part de l'équipe des Bleus, alors que ceux-ci vont apporter des changements aussi. Attaque des Blancs, alors qu'on s'amène au filet. Un premier tir, bon tir du poignet, de la part de Félix Baudry. Alors qu'on l'envoie en fond de territoire. Passe transversale qui aurait pu être dangereuse. On s'amenait rapidement pour intercepter... pour le numéro 5, Victor Soulière. Ce dernier n'arrive pas à toucher à la rondelle. Passe transversale ratée. C'est en direction de Gravenor. Un tir par la suite. Près du cercle de mise en jeu. On a fendu l'heure pour Poitras. Contre-attaque des Blancs. La passe réussie vers Soulière. Soulière avec la rondelle. Chasse les options. Un tir visait la partie supérieure. Rate la cible de peu. Mais bon tir du poignet. Ouais, le gardien semblait anticiper la passe sur le dernier jeu. Et Soulière a tenté de battre du côté rapproché. Il y avait une ouverture qui était disponible. C'était pas impossible. Oui. On lobe la rondelle en l'air. Il s'est repris par les Blancs en zone centrale. L'entrée de zone a réussi une première feinte, mais on perd le disque. Et Dimopoulos doit se replier. Les Bleus dans leur territoire. On cherche les options. C'est repris par Bello qui passe... en direction de Guenette. Guenette avec le 10. Se remettre devant le filet. C'était une belle passe. Alors qu'on reprend le tir par la suite. Ça rate la cible. Ça passe à la droite du filet. Sur le bord de la patinoire, on garde l'attaque en vie pour les Bleus. Et avec le disque, on garde la rondelle. Le revers pour une première passe. On perd le disque. Et cette fois-ci, la sortie de zone va être réussie. 2-1 en faveur des Blancs. La passe vers la droite. On regarde pour les options de tir. On veut remettre devant le filet. De la déviation ne viendra pas. Chan était bien placé pour tenter le tout. Mais n'arrive pas à conclure. Guenette avec la rondelle. Il laisse en direction de Coutu. Coutu tente un tir, rate la cible. C'est repris le long de la bande par Bérubé. Bérubé laisse à la ligne bleue. Et ici, on accepte de justesse ici la sortie de zone. Le hors-jeu qui aurait pu être provoqué. Bel effort. De Ouellet pour transporter la rondelle, mais son équipe apportait des changements au même moment. Un tir voilé passe par-dessus le filet. Et on reprend en défensive. Perrault laisse en direction de Strickland. Strickland vers Perrault. Perrault tente une longue passe. Ça dévie, ça va aller sur le bâton de Strickland en défensive. On l'envoie en zone neutre. Et les Bleus vont être obligés de se replier. La rondelle va se rendre jusqu'à l'autre bout. Ce sera un dégagement refusé. On va retraverser l'aréna pour aller de l'autre côté. Oui, donc on a vu un peu plus dans la deuxième période là, des dégagements, ou dans la première période plutôt, des dégagements refusés pour les Bleus. Et là, en début de période, c'est plutôt les Blancs là, qui ont été pris dans leur territoire sur la dernière séquence. Ici, un jeu qui manquait de précision. Et là, on va toucher à... Ouais, on aurait dû avoir un hors-jeu, ouais. Exactement, on va l'appeler.
Ouais, c'est l'arbitre, c'est l'arbitre en chef qui appelle la décision. Le juge de ligne n'avait pas levé le bras, n'avait pas vu la séquence ou regardait peut-être ailleurs. Mais effectivement... En fait, et même la mise en jeu, à mon avis, devrait être à la sortie de territoire des Bleus. Oui, c'est parce que c'était une longue présence en territoire vert. C'était pas sur l'entrée de zone, effectivement. C'était un retardement, le hors-jeu. Mais on va laisser les arbitres faire leur travail. C'est le match des étoiles. On ne sera pas trop critique. Non, d'ailleurs, on fait un très bon travail dans les trois pénalités, matchs. L'appel des pénalités, exactement. Là. C'était vraiment des gestes évidents qu'ils ont appelés. Crédit aux joueurs aussi qui ont, tout au long de la journée, ont joué du beau hockey. Ouais. On le sent que c'est plus léger comme mood. Mais tu sais, quand même, une belle intensité. Les pieds bougent, tout ça, mais les gestes, on calcule quand même... Les pieds bougent, mais les épaules restent présentes. Les épaules bougent pas, on va dire comme ça. On donne pas de coup d'épaule, mais on fait aller les pieds. En zone défensive pour les Bleus. C'est Hébert avec la rondelle. Envoie en fond de zone. Tasse pour un coéquipier. Alors qu'on récupère ici avec une cafouillade, double cafouillage d'un côté comme de l'autre. C'est ça. On s'échange les erreurs. L'entrée de zone, le tir voilé, bien tenté, c'est en hauteur. Rate la cible, le deuxième tir par la suite, de nouveau à côté du filet. Ça va retourner en zone centrale. 15 minutes à faire en troisième période. 2-2 la marque. Et au niveau des chapitres des tirs au but, 25-20 en faveur des Blancs. Un match serré entre les deux formations. Un autre tir vers le filet à la droite du gardien. Les Bleus vont vouloir dégager. Lobe la rondelle. Mais la rondelle ralentit, donc le dégagement est accepté. On apporte des changements là, de chaque côté. Pour lober la rondelle en fond de territoire des Bleus. Ben veut le remettre devant le filet. Bien tenté le tir par la suite. Un premier arrêt du gardien. Le retour est donné. Sa défensive va saisir. Dégagement par la bivitrée. Il était une passe tentée en direction de Bello. Repris par Walker. Walker avec la rondelle par le disque. Laisse à Chan. Veut renvoyer à la ligne bleue. L'équipe des Bleus reprend 3 contre 2. L'entrée de zone. Ça, c'est un 4 contre 2. On va freiner tout simplement. S'installer en attaque. Alors qu'on encaisse la mise en échec. Les Blancs vont être les premiers sur le disque dans leur fond de territoire. Ils vont réussir à sortir. Chan retourne sur lui-même pour éviter le contact en laissant la rondelle en zone centrale. C'est repris par Walker. Walker avec le disque. Revient sur ses pas. Cherche les options. On va rejoindre Baumhauer. On tire en se retournant de Chan directement sur le gardien. C'est une belle tentative pour le surprendre. Mais on est alerte. Pour le gardien Turcot. Baumhauer qui a trouvé Chan là, libre dans l'enclave. Celui-ci, en se retournant, peut être difficile pour un gardien. Donc, peu de temps là, pour déterminer l'angle de tir. Dès la mise en jeu, un premier tir sur le gardien arrêté en défensive. C'est intercepté. Le tir par la suite de l'enclave, c'était par-dessus le filet, ce part-là. Le gardien a perdu son bâton du côté des Bleus. Un premier arrêt avec la jambière. Et là, les Bleus vont tenter de dégager. On va réussir à sortir de la zone. Et là, hors-jeu sur l'entrée de zone ici. Le juge de ligne, cette fois-ci, se fait entendre. Oui. Donc, serré là, en entrée de zone. Donc, un 2 contre 1. Les enjeux remportés par les Bleus, alors qu'on a un tir vers le filet. Les Blancs vont récupérer en défensive, tentent de sortir de leur territoire. Strickland avec le disque, laisse à Groslo. Groslo va remettre derrière le filet vers Perrault. Et Perrault tentait la longue passe vers Cunningham qui voulait s'échapper. Ses coéquipiers vont réussir. Gros plongeon défensif de la part de Lalonde qui empêche une passe. Il peut relancer l'attaque pour son équipe. Finalement, se fait rattraper. On apporte des changements pour les Bleus en territoire, alors qu'on était en territoire central.
Les deux dans leur territoire. Longue passe est tentée alors qu'on voulait s'échapper. Des bleus, les blancs possèdent la rondelle. C'est Jean avec le disque, envoie la ligne bleue. Le disque très haut en l'air, envoie jusque derrière le filet. Jean est près du filet, mais finalement l'arbitre va amener l'arrêt de jeu. Voilà le gardien se diriger vers le disque. Ouais, on est presque à mi-chemin en troisième période avec 11 minutes 52 à faire au tableau. On semble prendre moins de risques de part et d'autre. Il y a quelques cafouillages là, dans la dernière séquence, mais quand même. On ferme un petit peu plus le jeu. Le disque s'en va en l'air. En territoire des Bleus, on tente un tir. C'est dévié. Le retour par la suite. On laisse le gardien plonger. Le but! Quelle patience sur ce tir! Le gardien se compromet et plonge pour éviter le retour. Oui, donc c'est le joueur des Blancs qui est Nicolas Jean qui a reçu la rondelle dans ses patins. C'est ça qui a un peu changé la façon du gardien de but. Donc, s'est retrouvé plutôt à tenter de harponner. Et donc, tu mentionnais, là, Jean était patient. Et quand même, le gardien, il s'est battu jusqu'à la fin, un peu à la Dominique Hachek. Ah oui, il tentait de se retourner. Pour les plus anciens, c'est sûr. Les jeunes, ça leur dit peut-être moins quelque chose, mais... Confirmation du filet. Numéro 16, Nicolas Jean. On descend à 8 minutes 20 secondes. Alors, but confirmé pour le numéro 16, Nicolas Jean, son deuxième de la rencontre. Et porte son équipe en leur donnant une avance d'un but en milieu de troisième période. Alors qu'on s'amène dans le territoire des Blancs. Il y avait une belle ouverture là, ouais. qui avait flairé le tap, là, mais manqué sa passe. En fond de territoire, les Bleus toujours avec la rondelle. On cherche les options. Transporte le disque. Évidemment, on doit se replier en territoire neutre. On met de la pression, on perd le bâton et on va avoir une pénalité justement sur la séquence. Ouais. Et on aura un autre jeu de puissance pour les Bleus, un deuxième cet après-midi. Justement, c'est Fillion qui est chassé pour la deuxième fois du match. Donc, il a étiré le crochet au niveau des mains. Donc, ce que donner une pénalité. Donc, deuxième avantage numérique. Pour les Bleus. Exactement, jeu de puissance pour deux minutes. Les Bleus récupèrent à la ligne bleue. On va créer un peu d'espace. Peut-être l'occasion de se dégager. Le disque va devant le filet. Et personne pour récupérer. Ou de moins tenter le tir. Et un premier dégagement venait arrêter à la ligne bleue. On passe du côté droit. On veut s'amener, faire dévier. Interception. Et dégagement par la suite des Blancs. En zone centrale, le numéro 16, on a eu un hors-jeu. Hors-jeu sur l'entrée de zone, alors que ce dernier venait de recevoir une passe. On l'a devancé de justesse. Oui, c'est Gravenor là, qui fait. En fait, s'il continue en ligne droite, les deux bleus auraient été en collision. Donc, un a tourné d'un côté et l'autre de l'autre, mais le hors-jeu a été provoqué à la ligne bleue. Les enjeux remportés par ces derniers, mais immédiatement, en voulant entrer en territoire adverse, se font bloquer. Et on va pouvoir dégager pour l'équipe numéro 3 à l'autre bout de la surface de jeu. Donc, étonnamment, jusqu'à présent, Richard, aujourd'hui, aucun but marqué en avantage numérique dans les trois rencontres qui ont été diffusées.
Bon, sachant que les avantages numériques ont une moyenne de, mettons, 25 % au nombre d'avantages numériques. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux de puissance, disons. On a été relativement assez bien disciplinés. On a eu droit à un lancer de punition. Oui, exact. Cependant, lui aussi qui a été infructueux. Alors que les Bleus s'installent en attaque. 25 secondes à l'avantage numérique. Passe vers Hébert le long de la bande par la suite en direction de Coutu. Hébert veut empêcher un premier dégagement. C'est réussi avec ses coéquipiers. Coutu récupère la rondelle. Se fait bousculer par Chan. Chan va aller chercher la rondelle. Coutu a le dessus. Coutu veut remettre devant le filet. Ça bondit deux fois plutôt qu'une. À la ligne bleue, un dégagement est arrêté. On renvoie de l'autre côté en direction de Guénette. Passe vers Hébert. Hébert, un tir et le but! Au moment où la punition se terminait. Oui, tir précis dans la partie supérieure. C'est Cédric Hébert. Le défenseur, c'est Perrault, je crois, qui était devant son gardien. Clairement, de notre angle, là, on a pu voir là, la vue obstruée au gardien. Ouais. Mais tout un tir là, de... Précis. Oui, exact. Partie supérieure, côté opposé, par-dessus la mitaine du gardien. Et quand ce dernier décide de bouger, le cordage derrière lui s'est déjà fait ébranler. C'est 3-2 pour les Bleus. But marqué en avantage numérique, mais on va attendre la confirmation quand même de l'officiel. En fait, 3-3, Guillaume? 3-3, ouais. Oui, exactement. J'ai dit 3-2, excusez-moi, 3-3. Et voilà, but confirmé. Alors qu'on va faire dévier devant le gardien, c'est passé bien près. Ouais. Ce dernier était en déplacement latéral en plus. Oui, tout un arrêt là, du gardien Dylan Trottier qui a fait une démonstration de ses réflexes. Là, donc, très bien suivi la rondelle des yeux. Et la rondelle qui a changé de trajectoire tout juste devant lui. Il a sorti la jambière. Alors, très zone réussie par les Bleus. On veut remettre près de la ligne bleue. C'est intercepté une première fois. Et les Blancs vont pouvoir quitter leur territoire. Colisa avec le disque. Il voulait passer vers son coéquipier, ça dévie sur un patin et retourne en zone neutre. On lobe la rondelle cette fois-ci jusqu'au gardien des Bleus. Et de nouveau, la rondelle va aller vers Trottier. Il regarde de part et d'autre ses coéquipiers se positionner en défensive. On veut lancer l'attaque. La passe en zone neutre, interceptée par les Blancs. Alors qu'on veut s'amener près du filet, on tente un tir d'un angle difficile. Ça retourne à la ligne bleue en direction de Strickland. Strickland veut lancer au filet. On tentait une déviation. C'est arrêté en défensive par l'équipe numéro 4, les Bleus. Qui tentait un tir au filet par la suite à son tour avec l'aide de Strickland, mais la rondelle ne s'est jamais rendue jusqu'au filet. En zone neutre, c'est repris par Legault qui met de la pression au territoire adverse. Le temps que ses coéquipiers retournent au banc, on apporte des changements. 6 minutes 20 à faire en troisième période, c'est égalité 3-3. Un tir sur le gardien, le retour est donné. La rondelle est disponible devant le filet et les Blancs vont dégager immédiatement. Ça va aller jusqu'au gardien Trottier. Attaque des Blancs en ce moment, alors qu'on entre en territoire. On jongle un peu avec la rondelle dans les patins. On se retourne, un tir. Arrêt du gardien et le retour. Rate la cible. Oui, on a eu une longue séquence sans arrêt de jeu. Et en fait, c'est même pas un hors-jeu qui a mis fin à cette séquence. C'est un filet qui est sorti de ses amarres. Et donc, on a eu des chances de chaque côté. Donc, Trottier qui s'est signalé avec un arrêt de la jambière. Et Turcot, même chose de son côté.
enjeux remportés par les Blancs. On renvoie la ligne bleue immédiatement en direction de Filion. Filion veut tirer. On cherchait la déviation. On veut remettre près du gardien. Mais ce dernier fait l'arrêt, voyant la rondelle bondir sur la bande derrière lui et revenir par la suite. Donc encore une fois, le filet... Le filet sensible là, avec donc les gardiens qui... Tout juste le positionnement sur le poteau et le filet sort facilement là, de ses amarres. Oui, et l'équipe numéro 3, les Blancs, pour cette rencontre, se réveillent enfin, j'ai envie de dire, en troisième période. Eux qui, lors de la première moitié de ce troisième 20, ont été un peu tenus sous silence. Là, ouais. Ils viennent de se réveiller. Ils commencent à mettre un peu de pression. Dégagement refusé. On va reprendre à l'autre bout de la patinoire. Donc, 5 minutes 27. Je ne connais pas ce qui avait été décidé. Est-ce qu'il y a une prolongation? C'est encore tôt pour... Mais on peut commencer à imaginer que c'est dans les probabilités. Exactement. Surveiller. Alors qu'on intercepte une première passe en zone neutre pour les Bleus. Les Blancs se portent en attaque. On veut remettre devant le filet. Bien tenté. On fend en l'air. Walker était prêt à décocher un boulet de canon. Ouais, Walker, c'est bien. C'est dirigé vers le filet. Il s'est retiré un peu pour donner une option de passe à Chan. Qui a tout juste raté le tir plutôt, Walker. Donc, une belle passe de Chan. Bon, c'est deux noms qu'on a mentionnés assez souvent là, ouais. Dans ce match-là. Donc, ils ont été... Ils ont été très créatifs en offensive. Bon, clairement, ils n'ont pas des casques de la même couleur. Ils jouent pas dans la même équipe, là, mais il y a eu une belle complicité entre les deux tout le long du match. Voilà, moins de 5 minutes à faire à la troisième période. Alors qu'on s'échange la rondelle d'un côté comme de l'autre suite à la mise en jeu pour essayer de se repositionner. Les Blancs avec le disque en territoire adverse. On cherche les options. Ouellet avec la rondelle pour son équipe. Tentait de garder l'attaque en vie. C'est repris par les Bleus qui vont quitter leur zone. On traverse la ligne bleue. Le disque est laissé à Simard. Simard veut remettre devant le filet. Et c'est dévié. Personne ne peut conclure à ses corps pour tenter un tir au filet. Une passe qui manque de précision. C'est repris par les Blancs qui vont quitter leur zone. On entre par le côté gauche à la ligne bleue. On intercepte une première fois. Elle a passé bien près de s'échapper avec la rondelle. Ouais, une petite feinte de trop peut-être là, ici. Là. Simard passe à sa droite en direction de Morin-Hébert. Ce dernier se fait bousculer, perd la rondelle. On dégage par la bande. Ça va être pris à la ligne bleue par le numéro 6, Bérubé. On tente un tir sur le gardien. Le retour est donné. C'était pas commode comme arrêt pour le gardien qui voulait saisir de la mitaine. Les deux en zone centrale dégagent finalement à l'autre bout. On va apporter des changements. 3 minutes 35 à faire en troisième période. 3-3 au niveau des buts. De part et d'autre, c'est l'impasse pour l'instant. On entre en territoire adverse, on laisse la rondelle derrière. Alors qu'on reprend suite à une erreur en défensive pour les Bleus. C'est le numéro 13, Colisa, qui va récupérer. Il se fait bousculer et tombe au sol. Laisse à son coéquipier cependant. Là, les Bleus vont pouvoir lober le disque et dégager le tout en territoire des Blancs. En attaque avec le numéro 15, Doré, laisse derrière lui, tire de la ligne bleue, totalement par-dessus le filet, va donner contre la baie vitrée derrière. Le temps de récupérer en défensive, alors qu'on regarde les options, ça retourne en zone neutre. Et là, une passe par la bande, s'en va chez les spectateurs. Et on aura un autre arrêt de jeu, 2:42 à faire. Oui, donc quelques tirs, là, c'est... On a vu sur la dernière séquence, Strickland là, a pris donc un tir, mais par-dessus la barre horizontale. Donc, à cette période-ci, prendre un tir, placer la rondelle au filet, s'assurer, surtout dans cette séquence, là, de s'assurer de frapper le filet. Le disque retourne en zone centrale, 2 minutes 30. Bon, pour les gens qui entendent le bruit, on a un joueur de drame là, pas trop loin de nous. Là, on... Sur la balustrade, exactement.
Alors qu'on veut remettre devant le filet, bonne tentative. Mais c'est 16 heures défensives par les Blancs qui quittent leur territoire. Contre-attaque ici, alors qu'on veut s'amener vers le filet. Le revers en direction du 25, le retour, le tir. Et ça va être dévié par le gardien par-dessus la cage. Oui, ça en est failli plus peu que Soulière là, puisse prendre un retour et marquer là-dessus. Mais un bel arrêt du gardien qui était bien positionné. Les changements sont apportés du côté de l'équipe numéro 3 pour les Blancs. Avec moins de 2 minutes à faire à la troisième période. L'entrée zone, Chan avec le disque, laisse en direction de son coéquipier. La passe par la suite, qui était un peu trop là, devant le filet, c'était bien tenté, bien récupéré par Legault. Qui voulait peut-être donner un associé, alors qu'on trébuche du côté des Bleus. On envoie la rondelle en fond de territoire adverse. On remet devant le filet, le premier tir, arrêt du gardien. Et on plonge pour aller chercher cette rondelle. Guillaume Turcot n'en laissera pas passer une de plus. Oui, donc bel échec avant là, de Tristan Gravenard qui a récupéré la rondelle derrière le filet. Avait déjà le film dans sa tête là, que l'option était libre dans l'enclave. Et un bon tir, mais bel arrêt du gardien Turcot. Alors qu'on remet la rondelle pour les Blancs, alors qu'on s'amène en attaque. Voyons les options ici. On couvre bien l'axe de passe. Le tir du poignet va aller toucher le filet protecteur. Donc, on a bien joué là, en défensive. Là, c'est du côté des Bleus, là, Cédric Hébert qui a... Qui a plongé. Oui, mais dans le fond, au lieu de garder le joueur au centre pour avoir un bon angle de tir, là, dirigé vers le coin. Ouais. Et donc, et tout en restant dans la ligne de passe. Donc, très bon positionnement et bonne exécution. Dernière minute de jeu de cette troisième période. Un tir du poignet directement sur le gardien qui fait l'arrêt. Oui, les gardiens ont fait du bon boulot. Là. En fait, on pourrait dire même tout au long de la journée, là, on a eu quand même... pas facile aussi parfois d'arriver dans un match à froid en plein milieu. C'est pas des choses que les gardiens sont habitués. Bon, ils sont prêts à ça, mais quand même... Un bel arrêt encore une fois de Trottier. Alors qu'on regarde pour une sortie de zone pour les Bleus avec 35 secondes à faire à la période. Contre-attaque des Blancs alors qu'on s'amène une passe un peu vive en direction du numéro 19. Ouellette tentait de garder la rondelle, interceptée en défensive par Bérubé. Bérubé passe vers son coéquipier à la ligne bleue. Le tir, arrêt du gardien. C'était Vézina qui voulait tenter de provoquer les choses en fin de troisième. 10 secondes à faire. Bataille pour la possession du disque dans le coin de la patinoire. Alors qu'on veut remettre un tir ici. Rate la cible, c'est passé bien près. 3 secondes, le temps d'un dernier tir peut-être. Déviation, ouais. Arrêt du gardien. On a fait dévier. Oui, mais le gardien était alerte. C'est ainsi que se termine la troisième période. Après 62 minutes de jeu, c'est l'impasse 3-3. Donc, bon, on semble justement se poser la question si le match est terminé. Ou on sait qu'il n'y a pas de classement là, aujourd'hui, là, mais est-ce qu'on y va pour le show? on aura un 3 contre 3 probablement. On se demande justement si on se pose des questions de ce côté-là. C'est, en tout cas, je présume que la discussion, c'est pas de savoir, nous autres, les arbitres, on est payés pour 3 périodes. Est-ce qu'on continue? C'est un peu... qu'est-ce que vous aviez le goût de faire? Puis, peut-être. Ouais. Effectivement... Exact. Exact.
Oui, donc on y va pour le spectacle. Et, Et on va aller en tir de barrage. William Legault qui sera le premier à s'exécuter. Excusez, numéro 14, c'est Benjamin Chapdelaine. Chapdelaine va du côté droit, transporte la rondelle, réalisation par le fait. Un tir à le but! Bon tir du poignet au niveau du sol, n'a pas tenté de lever la rondelle, quoi que ce soit. Il savait où il a vu l'ouverture dans le déplacement du gardien et des joues sous la jambière. Un tir tout juste. Une hauteur là, au-dessus de la jambière, sous le bloqueur du gardien. Donc, bon tir, bonne exécution de Chapdelaine qui il avait déjà marqué un but dans le match. Et là, Chan, quelle feinte ici, il déjoue le gardien. On voulait le harponner, mais il a gardé la rondelle et il déjoue tout près du poteau opposé. Et là, Chan, il a laissé un but qui fait du bien. Oui, le harponnage pour un gardien de but, c'est un art. Ouais. On sait, chez nous, à Sorel Tracy, on en a un expert là-dedans, Marc-André Fleury, qui utilise quand même assez régulièrement. N'a pas peur de le faire, exactement. Ouais. Deuxième tireur, c'est le numéro 11, Poitras. Poitras s'amène, veut déjouer, gardien entre les jambières, arrêt du numéro 31, Guillaume Turcot. Les gens ont compris quand chez nous, c'est pas avec les rebelles, là, Marc-André Fleury. Oui, exactement. Quand je suis chez nous, c'est de Sorel Tracy. Tout un joueur qui fait un retour collégial. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais revenir, on va laisser le joueur. Cunningham, oui. Deuxième tireur pour les Blancs. Pour donner les devants, tire le barrage. Tente de feinter le revers. Quel écart de la jambière et l'arrêt du gardien Trottier. Oui, d'ailleurs, justement, j'ai une photo chez moi de Marc-André Fleury avec un chandail des Rebelles, justement. Lors d'un entraînement, l'année du lockout, il y a eu un match au Colisée Cardin et il a porté un chandail des Rebelles pour le temps d'un exercice. Legault qui s'amène avec la rondelle, feinte le revers, arrêt du gardien. On n'ouvre pas la porte. Et là, si on ouvre la porte cependant, au blanc. Donc, Turcot qui a été patient, bien suivi. C'est le numéro 16 qui va s'amener pour les Blancs, Nicolas Jean. Lui qui a marqué le troisième but justement de son équipe. Ça mène, temps de fêter le tir. Arrêt de la mitaine. Ouais, lui qui avait marqué deux buts justement aujourd'hui. Et là, on y va avec un quatrième tireur pour les Bleus. Ce sera le numéro 19, Thomas Laberge de l'Académie Sainte-Thérèse. Ça mène du côté gauche, revient vers la droite. Avec le disque, regarde, prend son temps, veut feinter. Oh, et oui, quel beau but. Et là, freiné devant le gardien. Ce dernier était dans le déplacement latéral. Et il n'a qu'à pousser le disque dans l'ouverture. Et là, la pression est du côté de l'équipe numéro 3, les Blancs. Oui, une feinte à la Patrick Kane, je dirais. Là. Donc, feinte de tir et revient de son côté fort. Ouellette. Numéro 19 va du côté droit, ça mène rapidement vers le filet, veut feinter. Et l'arrêt enlevant la jambière. Et le numéro 1. Donc, quelle façon de terminer ça avec un arrêt, justement, on mentionnait à la Dominique Hachek. Oui, plutôt, exactement. Une pad, une jambière dans les airs. Donc, très beau spectacle là, en fin de journée là, pour la journée des étoiles collégiales et scolaires, là, M18, Division 1. Et universitaire aussi, c'est l'Union universitaire Division 2. Fait que, donc, très belle journée, une belle façon pour conclure cette journée. Les joueurs vont aller serrer la main. On va avoir l'annonce des deux étoiles au niveau M18. On a toujours l'annonce des deux étoiles de chaque côté. Alors, on va présenter l'annonce des joueurs. On va les présenter quand même. On va aller voir le tout à l'instant. On rappelle victoire des Bleus par la marque de 4-3 en tir de barrage. Nicolas Jean, malgré la défaite, deux buts, on l'a dit. Excellent match de sa part. Côté de l'équipe scolaire numéro 4, en bleu, le numéro 14, Benjamin Chapdelaine, un but cet après-midi pour son équipe. Dont un but en tir de barrage aussi, Important. Le premier but, justement. Là, exactement.
Et un but en temps réglementaire, si on peut dire ça. Ouais, ici. Ouais. Et victoire de 4-3 pour les Bleus. Donc, félicitations à tous les joueurs. Félicitations à l'équipe numéro 4 qui sort avec la victoire de cette rencontre. Nous, de notre côté, Richard, ça conclut un peu la fin de notre couverture du match des Étoiles, puisqu'on va faire la route à la maison dès ce soir. Il va y avoir d'autres matchs, ceux qui veulent venir voir le tout ici au complexe Deux Glaces Onco, n'hésitez pas. Il y aura d'autres matchs demain dans la journée aussi, alors qu'on aura du collégial des deux, je crois. Oui, et en fait, j'allais dire, les matchs vont rester disponibles sur la chaîne YouTube des Rebelles. Donc, même pour les joueurs qui eux, n'ont pas eu la chance de se voir jouer. Ouais. Donc, peuvent accéder à ça. Je tiens à souligner ton bon travail, Guillaume. On a reçu plusieurs commentaires des gens qui semblent avoir apprécié. Pour certains, c'est leur première expérience de voir une partie web diffusion. Puis donc, ton travail a été souligné. Comme je mentionnais, donc on a une sélection. On avait un joueur, Hugo Vizina-Fusée, en termes de sélection sur l'équipe d'Étoiles, mais on a aussi un commentateur Étoile. Donc, félicitations pour ton bon travail. Puis c'est très apprécié ta présence ici. Parmi nous aujourd'hui. Ben, c'est très gentil. Merci au RSEQ aussi de la confiance d'avoir accepté l'offre, si on peut dire ça ainsi, de s'amener à aider. Merci beaucoup, bien entendu, à l'équipe de diffusion, Karel Farley, au niveau de Karel, la diffusion, à la caméra. On voit moins sur les écrans, mais qui est tout derrière pour tenter de vous donner la meilleure vue possible. Donc, on est arrivé aujourd'hui s'installer. C'est quoi le meilleur angle, les meilleurs positionnements pour que les gens puissent avoir une belle qualité de présentation? Si ça vous a plu, bien on est bien heureux de ça. Exactement. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. C'est la fin de la couverture au niveau de la web diffusion pour nous, pour ce match des Étoiles. Si vous voulez suivre les prochains matchs au niveau du RSEQ, que ce soit au niveau M18, au niveau collégial ou universitaire, vous pouvez aller voir sur le site web du RSEQ. Tout l'horaire des matchs est présent à ce niveau-là. C'est Guillaume Larivière pour la description des matchs. Merci, Richard, de m'avoir accompagné. Et puis, on se dit à une prochaine fois, peut-être pour un prochain match des Étoiles ou pour la diffusion des matchs des Rebelles. Bonne soirée, tout le monde.